Pour clôturer cette séance plénière, je vais céder la parole au professeur Le Caillon, que nous connaissons bien à l'ICES, puisqu'il est le président du conseil scientifique de l'ICES, et qui est professeur d'économie à Panthéon Assas à Paris. Je vous cède la parole sur une ouverture sur la silver economy. Merci beaucoup. Écoutez, je vais non pas reprendre la hauteur, parce que tout ce qui a été dit était très concret, très pratique et très utile, et je m'excuse par avance de revenir à ce que je considère comme des généralités, ce qui dans ma bouche n'est pas péjoratif, mais finalement c'est bien ce qu'on demande aux scientifiques que nous essayons d'être, ce n'est pas de faire des préconisations, mais de fixer un cadre, pour cet après-midi à la réflexion sans doute, et pour l'avenir dans vos décisions, et de manière à anticiper. Et d'ailleurs, dans la meilleure des cas, les faits démentent les anticipations ou les prévisions. Je préfère dire anticipation que prévision, car le scientifique n'a pas prétention à faire de la prévision. Mais disons qu'il fait des diagnostics. Jeune chercheur que j'étais dans la fin des années 70, hein, c'est pas difficile de voir quel âge je pouvais avoir à cette époque-là, c'est pas un autre sujet, mais c'est pas très éloigné, je publiais un ouvrage qui s'appelle toujours d'ailleurs « L'économie de la sous-population ». Cet ouvrage, l'économie au sens « peut-on éviter la sous-population ?» Bon, malheureusement, je n'ai pas été écouté, puisque nous sommes plutôt dans un contexte de vieillissement que dans un contexte de dynamisme démographique. Voilà comment le scientifique peut ne pas être entendu. C'est sans doute en partie de notre faute, mais pas seulement. Plus récemment, nous étions c'est en 2001, c'est très vieux bien sûr, mais ça reste d'actualité, je coordonnais, j'organisais un colloque sur les enjeux de la démographie européenne. J'ai les actes du colloque ici sous les yeux. Et pourquoi est-ce que je le cite? C'est parce que, en préparant cet après-midi, eh bien, j'ai repris, il n'y aura pas d'innovation, je vais reprendre un article que je produisais dans ce colloque, je répète, début du XXIe siècle, sur vieillissement et dynamisme économique. Et ce que j'écrivais à l'époque, je vais vous le redire, comme quoi nous ne sommes pas suffisamment entendus, et donc nous attendons la dernière minute pour agir, c'est peut-être dommage. Quelles sont les tendances concernant, finalement, les relations entre vieillissement et situation économique? Alors, dans le titre, j'ai bien vu « les territoires ». Le non-vendéen que je suis m'autorise à parler implicitement de la Vendée, plus sûrement de la France et probablement de l'Europe, puisque nous sommes tous dans cette situation de vieillissement. Le vieillissement auquel nous avons à faire face est tout à fait nouveau. C'est vraiment quelque chose que nous ne connaissions pas. Lié, cela doit être rappelé, je vais m'en expliquer, à la chute de la fécondité en dessous du seuil de remplacement des générations. Pour la France, ça fait quand même depuis 1975, ce n'est pas négligeable, sans précédent. Ce qui veut dire concrètement que nous ne disposons pas des moyens d'expérimentation qui servent habituellement à nous scientifiques pour spécifier nos modèles. Donc nous travaillons un peu dans l'inconnu, mais c'est aussi l'intérêt de la discipline. Il y a une double question lorsqu'on s'interroge sur les liens entre vieillissement et économie. Il y a les besoins liés à la démographie, tous les problèmes de financement qui en résultent. On peut avoir en arrière-pensée les retraites, ce n'est pas le sujet, mais ce n'est quand même pas très éloigné. Et puis il y a l'impact, plus souvent ignoré, de la situation démographique sur le dynamisme économique. Et souvent, on oublie ce volet de la question. Le vieillissement est une réalité, je ne vais pas reprendre les chiffres, ça a été maintes fois souligné, et ça va permettre de gagner un peu de temps. Juste une référence bibliographique, toujours pour préparer, vous connaissez sans doute, mais j'ai plaisir, je ne connais pas les responsables de l'Observatoire des territoires, mais qui publie régulièrement une fiche sur le vieillissement de la population et ses enjeux, que je vous recommande, c'est très bien fait, il y a tous les chiffres qu'il faut. Et ceci peut nous permettre de voir les choses, même si il faut s'interroger sur ce qu'il y a derrière, les indicateurs que nous retenons. Ça a été bien dit, attention, le vieillissement, ça n'est pas l'augmentation du nombre des personnes dites âgées, c'est bien la part relative. C'est pourquoi j'évoquais l'évolution de la fécondité. Il y a un vieillissement par le haut qui est dû à l'accroissement de la longévité. On confond souvent vieillissement et longévité. C'est pas parce que l'on vit plus longtemps que le territoire vieillit. C'est simplement la part relative des personnes dites âgées dans l'ensemble de la population. Il y a donc un vieillissement par le bas,
Il suffit qu'il y ait moins de naissances pour que ceci accroisse évidemment le vieillissement, ce qui, d'un point de vue économique, n'est pas est très important. Bien entendu, cette réalité statistique, pourcentage des personnes âgées, doit être relativisée avec l'évolution de la population active. Et donc, cette ressource que l'on qualifie, et je m'en félicite, d'humaine, cette ressource humaine dont il s'agit, eh bien, la question centrale, c'est quel regard ? Et ça a été implicitement dit par mes prédécesseurs, et je m'appuie sur leur expertise. Quel regard posons-nous, et surtout, quel regard continuerons-nous à poser sur le rapport des âges avec, puisque je ne suis qu'un économiste, avec le travail? Voilà la question qui est au cœur de la réflexion. Je passe sur les interrogations méthodologiques qu'il faudrait conduire. Dans le temps qui m'est imparti, c'est bien impossible. Mais, et je m'en excuse, je parle d'âge à partir duquel on est réputé vieux, mais je m'interroge sur la signification des seuils d'âge de référence. Pourquoi 60 ans pendant longtemps, 65 ans aujourd'hui ? Je m'interroge sur la pertinence de ces seuils qui nous sont en quelque sorte imposés. Je m'interroge également sur la place des personnes âgées dans nos sociétés. Et on pourrait s'interroger sur la notion de compétitivité, que je ne voudrais pas développer, mais elle est abordée de différentes manières. Et en fonction de la réponse, évidemment, le questionnement est différent. Et donc, ma problématique, c'est quelle relation entre les déterminants de l'activité économique et la réalité du vieillissement ? Ces relations, qu'on qualifiera de démos économiques, pour aller vite, vous avez bien compris ce que cela signifie, sont complexes. Et il m'appartient de rappeler quelques exigences. J'ai évoqué le sens de la relation tout à l'heure. Est-ce que c'est la démographie qui influence l'économie ? Est-ce que c'est l'économie qui influence la démographie ? C'est évidemment les deux, ce qui ajoute à la complexité. Autre aspect à ne pas négliger, dans notre jargon, ce qu'on appelle les aspects microéconomiques et les aspects macroéconomiques, pour faire simple. Les aspects microéconomiques sont ceux qui concernent l'individu proprement dit. Les aspects macroéconomiques, l'ensemble, les grands agrégats. Les deux sont évidemment concernés et les réponses que l'on donne ne sont pas obligatoirement et instantanément de même nature. Troisième complexité, on va évidemment s'attacher beaucoup plus facilement à la dimension comptable, puisqu'on peut mesurer. Vous savez que nous sommes attirés par ce qui est mesurable, quantifiable, comptable, et c'est important. Mais je m'interroge quand même, en tant qu'économiste que je suis, sur la dimension psychologique des affaires, qui ne se mesure pas forcément avec les indicateurs dont nous disposons. Et j'ai plaisir à rappeler ici, ça vous paraîtra sans doute ancien, mais après tout, cet après-midi, on parle du vieillissement, notre maître, il était démographe, certes, mais je crois un peu économiste et probablement sociologue, qui était Alfred Sauvy. Ce grand démographe, donc Alfred Sauvy, dans son Histoire de la population, nous dit que le vieillissement, déjà, nous disait-il, que le vieillissement est à l'origine d'un certain conservatisme préjudiciable en matière d'innovation, comme quoi vous voyez que tout a déjà été dit. J'ai évoqué la distinction nécessaire entre vieillissement par le haut et par le bas. Tout cela va me permettre de reprendre très simplement, trop rapidement sans doute, quelques points qui intéressent l'économiste. Je les énumère car je me doute que je vais très rapidement être pressé à conclure. Bon, encore quand même, j'ai bien noté que mes prédécesseurs avaient parlé 20, voire 25 minutes. Et si je tiens 15 minutes, je serai un héros. Et donc, je voudrais parler du marché du travail. Je voudrais parler de la formation du capital, ce qu'on appelle aussi l'investissement. Je voudrais parler de la consommation et donc de l'épargne, car c'est complémentaire. Tout cela a déjà été mentionné en quelques rappels. S'agissant du marché du travail, comme tout marché, il faut distinguer l'offre et la demande. Je rappelle que ce sont les salariés qui offrent leur travail et non pas les entreprises qui offrent du travail. Les entreprises, elles demandent du travail. Ceci doit être mentionné pour bien comprendre la suite. Du côté de l'offre, on doit anticiper une modification de la taille, de la structure de la population d'âge actif du fait du vieillissement. Ceci se cumule avec une modification d'évolution des taux d'activité masculin et féminin, mais là, disons qu'on est plutôt sur la fin de ces évolutions. La question est donc, toujours s'agissant de l'offre de travail, de la qualité de ce capital humain. On a l'habitude de considérer que le segment jeune du marché du travail
c'est celui qui est le plus mobile, c'est celui qui est le plus adaptable, c'est aussi celui qui est le mieux formé aux techniques nouvelles. Donc, qui dit vieillissement de la population active, nous laisse des interrogations sur nos capacités à répondre aux défis de demain en termes économiques, du fait d'un manque de mobilité, d'innovation, de créativité. Le vieillissement, de ce point de vue-là, peut être considéré comme un handicap à la croissance. Alors, rassurez-vous, soyons nuancés, même si nous, il faut aller vite, mais du côté positif, les personnes dites âgées nous apportent une expérience très importante pour le développement économique, à condition de l'anticiper et d'assurer la transmission. Du côté de la demande, il y a tous les nouveaux emplois à satisfaire. Mon prédécesseur a énuméré un certain nombre de besoins à satisfaire. Je ne vais pas les reprendre, mais c'est évidemment très important pour savoir ce qu'il conviendra de faire en matière d'évolution du travail. Du côté de la formation du capital, de l'investissement, c'est lié. Qui dit croissance dit évidemment investissement. Comment pouvez-vous imaginer les choses autrement? Alors là, il y a plusieurs possibilités. Alors on va prendre des extrêmes. Évidemment, la réalité, elle est entre ces extrêmes. Pardonnez-moi de partir au-delà de la Vendée, de la France, de l'Europe. J'ai beaucoup travaillé sur le vieillissement au Japon. C'est un pays qui a connu un vieillissement très très rapide et qui est confronté à une difficulté. Au Japon, les Japonais, du moins, tentent de résoudre le problème en compensant les coûts du vieillissement par le progrès technique. C'est-à-dire, c'est leur option. L'option de développer le progrès technique pour permettre de répondre à ces besoins des personnes âgées et de remplacer les personnes qui n'ont plus, puisqu'il n'y a pas de renouvellement des populations. De façon intermédiaire, on pourrait évoquer tous les travaux, ça a été envisagé par mes prédécesseurs, sur les infrastructures pour rompre l'isolement. Tout le problème du réseau des transports est à développer, évidemment, pour accueillir ces personnes dites âgées. Ce qui a été dit des EHPAD, évidemment, rentre dans le sujet, l'accessibilité, etc. Et puis, à l'autre bout du spectre, l'autre solution préconisée par certains, je ne me prononcerai pas à ce sujet, ça nous emmènerait trop loin, mais c'est le recours à l'immigration. Pour ne rien vous cacher, je n'y crois pas beaucoup. Troisième volet économique, évidemment, la consommation et donc l'épargne. Vous savez que l'épargne n'est que la partie du revenu que l'on ne consomme pas. Ici, il va y avoir une modification de la structure de la demande, la fameuse silver economy, évidemment. Donc, c'est lié à ce que j'ai dit précédemment sur le marché du travail. Mais il faut également mentionner le fait que la demande, selon les âges, n'est pas la même. Lorsque vous êtes jeune, vous avez un besoin d'équipement. Lorsque vous êtes moins jeune, vous avez un besoin de renouvellement. Ce n'est pas de même nature, l'économie doit en tenir compte. À cela s'ajoute, évidemment, la question du pouvoir d'achat. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y aura des services à rendre, à assurer, une consommation à prévoir. Encore faut-il qu'il y ait du pouvoir d'achat. Tout ce qui est proposé pour aider les personnes âgées, c'est très gentil, mais à condition qu'elles aient le pouvoir d'achat, qu'elles soient solvables pour pouvoir l'obtenir. Et puis, il y a la question de l'investissement, donc du taux d'épargne, parce que l'investissement, il est financé par l'épargne, c'est-à-dire parce qu'on ne consomme pas. Alors, on peut dire, les personnes âgées consommant moins vont avoir une capacité d'épargne supérieure pour financer l'investissement nécessaire à la croissance. Certes, mais il ne suffit pas d'avoir les moyens d'épargner. Encore faut-il avoir les raisons d'épargner, une motivation. Quand mon horizon temporel est limité, et une personne âgée a un horizon temporel moindre qu'un jeune, pourquoi voulez-vous qu'il épargne? Quelle idée? Sauf s'il a l'idée de transmission intergénérationnelle. Donc vous voyez qu'il y a l'aspect comptable et l'aspect psychologique. Je retiendrai de tout cela que l'augmentation du poids relatif des personnes âgées, c'est ça le vieillissement, l'augmentation du poids relatif des personnes âgées, signifie toujours un prélèvement plus important sur les revenus des actifs. Il faut donc que nous revenions sur un modèle intergénérationnel pour traiter des questions économiques, dont celle du vieillissement, qui est très simple pourtant, même s'il est souvent ignoré. La société est composée de trois catégories de personnes. Ceux qui ont produit, ceux qui produisent et ceux qui produiront. Ces trois catégories, par rapport à la production, n'ont pas le même rôle. Certaines ont déjà produit et ne produisent plus, certains produisent, certains produiront. Mais toutes consomment. Nous consommons tous depuis le premier âge jusqu'au dernier, mais nous ne produisons pas toujours. Et donc, lié au problème du financement, c'est bien la question de la croissance qui est posée.
vous ne résolverez les problèmes du vieillissement qu'en vous préoccupant des conditions de la croissance. Et de ce point de vue, le vieillissement, considéré comme la conséquence d'une baisse de la fécondité, n'est pas une bonne nouvelle. La croissance ne peut pas se faire dans une situation de faible croissance démographique, voire de non-remplacement de la population. Alors, si on veut anticiper, il faut s'interroger sur le véritable sens de la notion d'investissement. Qu'est-ce que c'est que l'investissement ? L'investissement, c'est la préparation de l'avenir. Eh bien, la préparation de l'avenir, il se fait en investissant dans la jeunesse, ceux qui produiront, pour permettre à ceux qui ont produit de pouvoir consommer, continuer à consommer alors qu'ils ne sont plus producteurs. Mais en termes de conclusion, et pour vous faire réfléchir un peu, c'est mon rôle, c'est de nous interroger sur les changements de mentalité qui s'opèrent. Cela aussi a été dit par mes prédécesseurs. On pourrait reprendre quelques indicateurs. Il y avait un graphique, tout c'était très intéressant, mais très intéressant sur la participation aux élections. Mais il y a aussi, sachez que l'âge médian, c'est l'âge tel que 50% de la population est en deçà et 50% au-delà. Cet âge médian, il augmente dans nos sociétés. Ça veut dire qu'en dehors du fait que les personnes âgées se mobilisent plus que les jeunes, elles sont de plus en plus nombreuses. Évidemment, les décisions qui seront prises le seront en fonction de cette réalité statistique. Et puis, autre aspect qui intéresse l'économiste, à quel âge hérite-t-on ? Je me félicite du fait que nous héritons de plus en plus tard, puisque ça veut dire que nos parents vivent de plus en plus longtemps. Et loin de moi l'idée de modifier cette échéance. Mais d'un point de vue économique, ça veut dire, quand vous héritez à 25 ans ou à 65 ans, eh bien, ce n'est pas pareil. En d'autres termes, les questions à méditer sont celles-ci. Je les résume à deux, puisque mon temps sera dans 30 secondes épuisé et que je l'aurai respecté de façon comptable. Eh bien, je vous dirais comment accroître la contribution des personnes âgées à l'économie et à la société. Voilà la vraie question. Comment accroître la contribution des personnes âgées à l'économie et à la société ? Ou pour dire les choses autrement, comment reconnaître ou mieux reconnaître cet apport que les personnes âgées restent à leur façon des producteurs et ne sont pas simplement des consommateurs ? Je vous laisse ceci pour votre réflexion de cet après-midi et sans doute des années à venir. Je vous remercie beaucoup de votre attention.